Alors, une plateforme Udemy, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui héberge un contenu pédagogique. Il suffit juste d'avoir un accès Internet. Les apprentis n'ont absolument pas besoin de télécharger un logiciel particulier. Et d'autre part, cette plateforme s'adapte automatiquement à tous les outils. L'apprenti peut donc se former partout où il se trouve. L'accès est clairement identifié sur notre site internet du CFAIE. L'apprenti doit simplement être muni de son code NETIPAREO et d'un identifiant. Alors, les entreprises peuvent ainsi bénéficier de la présence de leur apprenti sur des périodes de forte activité. L'enseignement à distance permet en fait de garantir la réalisation du nombre d'heures de formation nécessaire pour un apprenti. L'employeur peut organiser et aménager le temps de travail de son apprenti pour assurer l'accès à la plateforme pendant les périodes de présence en entreprise qui figurent effectivement sur les calendriers qui ont été envoyés en début d'année. En accord avec l'employeur, le jeune peut arriver soit plus tard le matin, soit repartir plus tôt le soir. C'est à l'employeur, bien sûr, de décider et de mettre en place une stratégie avec son apprenti. L'apprenant doit de toute façon réaliser des modules qui sont de durée très variable suivant les classes. L'apprenti est de toutes les façons informé par ses formateurs de la date d'ouverture de la plateforme et il a un mois ou deux mois pour réaliser l'ensemble des activités. L'employeur peut faciliter l'accès à un équipement informatique, mais si l'apprenant ne trouve vraiment pas de solution, nous invitons bien sûr les jeunes à venir au CFA pour réaliser l'ensemble des modules LMS. La réalisation des modules sur la plateforme LMS n'est absolument pas facultative. Le nombre d'heures est contrôlé et fait partie intégrante du volume horaire que le CFA doit délivrer à l'apprenti. Et nous travaillons donc ensemble pour la réussite de nos apprentis.